Mesdames et messieurs, bonsoir. Un écrivain doit rendre compte de tout ce qu'il voit et entend. Il n'y a pas de sujet tabou. Si les gens se comportent mal, notre rôle, c'est de les traquer. Bon, tu commences quand? J'ai déjà commencé. Je voudrais saluer la présence de Léna Weber. En deux mois, je suis devenue une vraie assistée. Jamais de problème avec toi, c'est formidable. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est Maria Canales, la fille de Léna Weber. Maria? On se connaît? On se connaissait. Je suis écrivain. Ah oui, je suis nouveau. Puis une histoire d'enfant aussi. Je peux tout encore, mais je saurais. Tiens, ça qui est arrivé pour toi. Bruno, c'est la première fois que j'écris ce nom que je ne t'ai pas donné. Je voudrais bien savoir la tête qu'il a aujourd'hui, mais j'ai même pas de photo. Si tu veux, je vais voir ton fils. Elle n'est pas un qu'elle l'ait retrouvé. J'ai toujours eu peur de ce moment. Qu'on vienne te chercher. Moi, j'ai jamais voulu savoir. Mon fils, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Tu dois aller à sa rencontre. Je vais te retrouver. Tu peux pas tourner le dos à ça. Dans chacun de tes gestes. T'aimerais pas su? Surtout pas elle. T'es vraiment un drôle de garçon. Mathieu? T'inquiète pas, tu vas l'avoir ton livre. Je t'interdis de t'approcher de moi, de Maria ou de son fils. Mon enfant, mon petit. Il m'a abandonné quand ça l'arrangeait. J'avais besoin de toi. Je sais, je suis désolée. Sur le chemin de la vie. Alors maintenant, tu vas faire ce que t'as à faire, tu vas me laisser reprendre ma vie. T'as rien dans ta vie. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi.